Et salut les bros, c'est Sacha Core, désolé du retard. Bon, j'avoue que je sors de la douche, mais pour le coup, c'est pas de ma faute. Je vous jure que c'est pas de ma faute. J'étais présent au loco à midi 2. Le seul problème, c'est que bah du coup, forcément, qu'Alan était en game de TFT, il fallait qu'il file sa game. En plus de ça, il a fait top 2, donc la game a duré un petit peu plus longtemps, ce qui est normal. Donc on peut pas lui en vouloir non plus d'avoir voulu vous proposer du beau jeu sur TFT. Mais voilà, on est là, on va pouvoir faire du Sacha Core jusqu'à 15h tranquillement. Bon, malheureusement, eh bien, on a 3h de moins aujourd'hui, mais tranquille. Donc il y a pas excuse, je suis désolé, mais en plus, c'est pas de ma faute. Voilà. C'est pas de ma faute, on est là. Donc, what the fuck, ça t'as fait une teinture à ta barre aujourd'hui? Non, mais c'est un masque! Putain, bon, par contre, il faut que je vois son bonheur, lui. Il est toujours pas heureux! Sharky, t'es jamais heureux! C'est ça ton problème aussi! Parce qu'en gros, Sharky et Emir, en gros, les deux évoluent avec le bonheur, vous savez. Donc, les deux ont un gros Lozen, les deux, hein, y a pas de souci. Attends, par contre, le Togepi Garde Mystique, c'est vraiment un truc de fou. On a Armuga Magma, qui est du coup Qatar, qui protège le Pokémon contre le gel. Je vais pas donner d'objet encore. Par contre, Qatar qui a évolué en boule 2, c'est vraiment légendaire. Manati, qui est donc Corsin. Ponce qui a Inifuge, par contre, j'avoue que Inifuge c'est vraiment un truc de fou sur Ponce. Et César qui est lui le boss, on peut le dire, c'est le boss hein, qui a donc le paratonnerre. Donc on y va, je devais me raser, ouais, je devais me raser, mais j'ai eu la flemme en fait. Donc toujours ta première run, exactement, c'est toujours ma première run. Et on y va. Donc c'est quoi les vidéos sur YouTube avec des autres starters? Non, c'est un bug. C'est un bug, c'est un mec qui a upload des vidéos sur ma chaîne et je lui ai pas demandé d'upload des vidéos sur ma chaîne. Il a upload des vidéos sur ma chaîne, c'est un peu chelou. En fait, il a fait genre c'est moi qui joue, sauf que c'est pas moi qui joue. Vas-y, il va dégoter un objet rare. Je vois un peu les objets. Est-ce que j'ai assez d'objets pour aller XP? Donc super potion, ça va. Les potions, ça va. Les repousses, j'en ai un, donc je vais en prendre 3, histoire 2. Et j'ai pas de corps sorti, donc je vais en prendre 2, histoire d'être vraiment vraiment safe. On est bien. Sur ce, je pense qu'on est prêt pour le badge hein. Donc là on est à Uniopolis. Qu'est-ce qu'on a à faire à Uniopolis? On a des trucs à faire qui sont déjà d'aller j'ai l'impression que le jeu lag un peu, je sais pas pourquoi, c'est un peu bizarre. Non, c'est pas là où je dois aller. Si c'est, non, c'est pas là. En fait, ta team est goldée là, ma team est vraiment bien là. Donc voilà, elle vient me parler, blablabla. Karine, oh mon ange gardien. C'est vrai, j'ai trouvé ton Pokémon. Maintenant elle parle déjà à ma mère. Les choses vont très vite dans Pokémon, vous savez. 12 ans, déjà marié, déjà 3 enfants hein. Là il va falloir que j'expère un peu, parce que sinon je vais commencer à galérer un moment. Ok. Elle lui faire des vacances à Uniopolis, très bien. Est-ce que faire les concours de beauté ça augmente le bonheur d'un Pokémon? Tu connais déjà l'histoire? Bizarre. Non, en fait c'est de la supposition, tu vois, normal. Je vois là, je reconnais ma mère, tu vois, je rentre dans un bâtiment. Imagine, t'es là, t'es dehors. Tu entres dans un bâtiment, tu vois ta maman. Bah tu reconnais. Tu vois, y a pas besoin de connaître l'histoire, c'est juste, je reconnais. Ah, c'est maman. Ouais, normal. Ok, donc elle, c'est la championne d'arène. Bizarrement, j'aime pas trop sa coupe de cheveux et j'aime pas trop cette personne. J'aime pas trop, ouais, je suis pas fan. Pas mal de bonheur, vas-y, mais est-ce que j'ai envie de faire ça, quoi? Est-ce que j'ai envie de faire des concours de beauté sur Pokémon Platine? Pff, j'ai la flemme un peu, hein. Alors avant cette première run, bah là on est dans la ville du troisième badge et on va pouvoir aller affronter Chimera pour la première fois de notre vie. J'espère qu'elle aura pas de Pokémon trop chiant, type, je sais pas, au hasard boule de nœud par exemple, qui aura une attaque encore une fois au hasard, peut-être méga fouet, mais normalement ça devrait le faire. Les chances pour que ces deux choses arrivent sont très faibles. J'espère que Chimera, la championne d'arène, n'aura pas un Pokémon trop chiant pour César. Après, si elle a un Pokémon trop chiant pour César, on peut toujours se démerder avec les autres Pokémon. Cette fois, on a quand même des bons trucs. Enfin, cette fois, c'est la première fois de ma vie, mais je dis cette fois, je sais pas pourquoi, j'ai ma langue à fourcher. Ma fourche à languer. Ah, c'est là. Très bien, donc je dois aller là. Ok, attendez. J'ai pas d'émote, hein. J'ai pas d'émote, je dois jouer dans combien de jours? Oh merde! Je dois jouer aujourd'hui sinon je démote! Regardez. Inactivity notification. You are at risk of LPDK due to inactivity ranked solo queue. Play a ranked game within one day to prevent LP loss. Ah merde. Non, je vais pas jouer aujourd'hui, j'ai la flemme. Je suis quoi? Je suis master sans LP. Putain, c'est vrai, je suis master sans LP quand même, hein. Je suis master sans LP, hein. Ah ouais, je démote dans 11h. Bon, je ferai peut-être une game après le créneau, on verra. Tant pis, au pire, Osef. Hein. Au pire, Osef, je ferai ça après la session de Sacha Core. À un jour du drame, j'avoue, hein. Donc en attendant, nous, on va se battre contre Chimera pour la première fois de notre vie. Quels vont être ces Pokémon? Elle fait la meuf en petite robe de princesse et tout. Ambrilex, tranquille. Ambrilex, pas de soucis. On est là, on est au max. Il est rush, lui fait une petite attaque combat. Il est là, il est pas bien. J'aurais pu le faire aussi Luminocanon, n'importe, hein, c'est ok. On est bien. Ambrilex, pas de soucis. Lui, c'est notre petit bouffe. Ok. Fogler, ça peut être un petit peu chiant. Mais ça va. Fogler, c'est pas non plus l'évolution finale, donc c'est ok. Donc, je peux lui faire limite un petit Luminocanon là. Après, je crois que Luminocanon, c'est neutre, non? Ça doit être super efficace sur la glace, mais neutre sur le. Enfin, pas très efficace sur l'eau, non? On va voir. Ouais, non, c'est neutre, c'est ça. Attends, César qui est en train de smurf l'arène. Simiabraz, j'ai des bonnes attaques pour Simiabraz. Et j'ai une attaque boubombe. Oh putain, quand même, hein. Simiabraz, hein. On a Manati contre Manati, hein. J'aurais pu envoyer Manati contre Manati. Ça va. On est bien. Il est mort. Yes. Ouh, je suis content. J'ai réussi ce badge là. Bizarrement, je le sentais pas trop.
Je saurais pas vous dire pour quelle raison. Et finalement, ça s'est bien passé. Pas de soucis. Première fois de ma vie que je l'affronte. Première fois que je la vis, je la défonce. 6240 Pokédollars en plus. GG à tous. First try, fantastique. Anti-brume en combat, ok. Donne-moi une CT. C'est quoi la CT? Par contre, tellement d'argent, hein. Tellement d'argent. Griffe ombre, ok. Merci pour ton badge. Au revoir. Bon, je dois aller où là? Où dois-je aller? Bon, déjà, César qui a un VS9, c'est parfait. Je vais XP un peu Manatee et Ponce. Je pense que je vais mettre Ponce devant. Je pense qu'il aura plus de facilité à XP que Manatee. Manatee, il a quoi comme attaque déjà? Il a Corsin. Il a des bonnes attaques tout de même, hein. Avalanche, Croéclair, demi-tour. Croéclair, demi-tour, j'aime beaucoup. Mais le problème de demi-tour, c'est que bah, du coup, forcément, ça change un truc. Il faudrait une attaque feu ou combat quand même, ouais. Une attaque feu ou combat, mais très bien. J'ai quoi comme CT? Est-ce que j'ai un endroit où je peux aller? Non, route 208, j'ai fait. Route 209, j'ai pas fait. Route 212, j'ai pas fait. Donc, je peux faire la route 208 et la route 209. Là, après, je peux aller à Bonville, je peux aller à Verchamp. Voilà, Rock, c'est là où je vais commencer à acheter un peu mes objets. Il y a la rive, la corée. C'est vrai que le jeu, quand même, je me rappelle. Le jeu est fou, hein. En vrai de vrai, le jeu est incroyable, on est d'accord, hein. Il y a tellement de trucs, c'est tellement lourd. Le pêcheur te donne une canne. Non, je l'ai déjà parlé. Il m'a pas donné une canne, hein. Il m'a vraiment pas donné une canne, le frère. Ah, qu'est-ce que tu fais là, Narcus? Ah oui, casse les couilles, lui. Casse les couilles, Narcus. Il a quoi comme Pokémon? Tilton. Donc déjà, ça, c'est ok, normalement. Est-ce que j'ai une attaque qui peut être bien contre lui? J'ai pas spécialement d'attaque bien contre lui, là, hein. En vrai, j'ai pas grand-chose de bien contre ça, hein. Oh, il est brûlé. Yes, let's go. Vire obscur. Bon, ça va, je devrais le tanker. Par contre, avec Ponce et Manatee, en vrai, j'ai un peu de level d'avance, tu vois. Mais 3 levels d'avance, s'il a un bon Pokémon avec des attaques super efficaces, ça peut être la merde, hein. Heureusement, ça tank bien quand même, Jolifleur, honnêtement. Tréopiqueur. Est-ce que j'ai une bonne attaque contre Tréopiqueur? Ouais, je crois que j'ai une bonne attaque. J'ai Nerf, mais Nerf, en fait, c'est bien contre les Pokémon lourds. Merde, je me suis trompé d'attaque. Bon, feu sacré, c'est neutre, du coup, vu que je suis assez haut. En vrai, c'est quand même un bon type assez haut, hein. Oh, le seul problème, c'est qu'il me brûle. Putain, c'est trop chiant. Bon, je devrais le tuer avec un autre cruel, là. Ouf, heureusement, il a raté son attaque. Je le tue avec cruel, et là, je vais le rechanger ensuite. César, level 34, il est trop bien. César, honnêtement, il est au max. Il gagne des plus 4 en attaque spé par level. Non, c'est trop, frère. C'est trop des plus 4. Ratatack. Je pense que quand même, Manatee doit pouvoir gérer un ratatack tout de même. C'est quoi de ces Pokémon? Je me suis arrêté à la version bleue. Tu fais pas d'effort aussi. Je veux dire, il y a un manque d'effort qui a été produit là. Tu dis c'est quoi tous ces Pokémon, mais en même temps il y en a genre 1000. Enfin j'abuse, il y en a beaucoup. Et tu t'es arrêté au 150 premier. Bah logique, hein. Non, là il y a pas d'efforts qui sont fournis, je te jure. T'es pas en mode défini. Non, je suis pas en mode défini. Là, je suis en mode. En fait, c'est un Nuzlocke un peu chill, tu vois. À tout le monde, tu peux te faire 40 quand même, mais normalement ça devrait être tranquille. On devrait arriver à la fin. On devrait passer une bonne aventure tous ensemble. C'est nickel. Ouais, on dirait que ma stratégie infâme ne fonctionne pas. Bah ouais. Fais en sorte que toutes tes attaques atteignent leur cible et évite les attaques ennemies. Ouais, ça c'est vraiment Narcus, hein, comme j'ai dit, hein. Je pensais tenir la technique parfaite, mais elle ne vaut pas un clou. Narcus qui nous dit, les gars, faut juste pas mourir sur LOL. C'est facile, connard. Ok, donc faut aller à Bonville. Les Pokémon ont juste à groupe mid. Tu groupe mid et c'est fini, hein. Exact. Hein. Par contre, je fais tellement d'argent, tellement de thunes. Mais le problème, c'est qu'il manque trop de bonheur à mes autres Pokémon là. Ils aiment trop ne pas être heureux. Attends, est-ce qu'il est heureux maintenant? Attends, Sharky, est-ce que tu es heureux? Donc déjà, Togepi, non, normal. Toi, t'as un cœur là, non? Mais t'as toujours pas de cœur. Il a toujours pas de cœur, j'y crois pas. Il y a Pangolin, il est là, il m'aime trop. Il a deux cœurs, il est au max. Elle a un cœur, donc ouais, logique. Le problème, c'est que Sharky m'aime pas en fait. Je suis dégoûté, sérieux. Là, je peux capturer un Pokémon, c'est fantastique. Bon, déjà, je vais le fumer lui. Et après, je capture un Pokémon ici. Et ça va être fantastique. Enfin, Manatee va se battre un peu. Là, on est en train d'XP Ponce et Manatee. En gros, pour le prochain badge, il faudrait que j'ai 3 Pokémon level 35, je pense. 3 Pokémon level 35 serait bien. Après 35, je suis même pas sûr que ce soit suffisant. Étant donné que le prochain badge, ça va être déjà level 30 et quelques, tu vois. Ça va déjà être. Là, on a eu le premier Pokémon, c'est. Enfin, le Pokémon le plus fort, c'est level 26. Je pense que prochaine arène, ça va être genre 32, un truc comme ça. En vrai, si j'ai 3-35, c'est ok, mais ça peut être risqué tout de même, hein. Et j'ai bien aimé. Ah merde, mais c'est ça que je dois capturer. Ah oui, c'est vrai que je dois capturer un Pokémon ici. Mais c'est de la merde. C'est de la merde. On est d'accord, c'est nul à chier. Ça peut évoluer. Ça évolue level combien? Ça évolue level combien? Attendez. Level 38, ça évolue. Non, tu trolls. 38, c'est late. C'est late de fou. Ah ouais. Bon, écoute, si tu tankes un point feu, je te capture. Sinon, tant pis pour toi. Après, j'ai mis Evo avancé, c'est possible qu'il évolue. Torche augmente sa puissance de feu. Quoi? Oula, calme-toi, ça va. On va voir s'il tanque. S'il tanque, je capture. Dommage, tant pis pour toi, Shaglam. J'aurais pu le capturer, mais vas-y, c'était trop de la merde. C'était trop chiant à faire évoluer. Vas-y, la flemme. Il avait quand même torche, ce qui était sympa, mais bon. Tant pis, on ne l'aura pas capturé. Draco, ça aurait été tout aussi chiant. Hein. Draco, ça aurait même été largement pire. Parce que level 55, à la limite, en évolution facilité, ça donne quoi? Ça donne level peut-être 40, 45 pour évoluer. Bon, c'est chiant. Je vous le dis, c'est relou. On va voir, il y avait quoi dans l'eau avec la super canne. Draco, c'est bof, c'est pas ouf, hein, oui, clairement. Hein. Draco, c'est pas ouf. Ok. Mais en vrai, je vous jure, je n'y pense, ça aurait pas été mal. Parce qu'il aurait évolué un level après. Et ça aurait pu devenir genre un Rayquaza, tu vois, un level après. Ça aurait pas été si mal, je vous jure, je n'y pense, ça aurait été lourd. Je vous jure que ça aurait été lourd. Je n'y pense, on blague, mais non, j'aurais été content. Donc, on va prendre l'objet ensuite. On va voir le Pokémon sauvage et on sera bien. Écaille Draco, ok. Allez, un Pokémon sauvage. Comme ça, je vois ce que je peux capturer ici. Et ensuite, on verra bien. Donc là, nouveau Pokémon.
C'est de la merde. C'est de la merde. Après, ça évolue tôt, non? Ça, ça évolue tôt, ça. Ça évolue level combien? Je crois que ça va évoluer next level, hein. Un level, il évolue. Let's go! On va le faire évoluer. Pareil, encore une fois, il me faut un Pokémon qui ait du potentiel, mais qui n'a pas encore prouvé. Qui peut choke à tout moment, mais qui peut montrer son plein potentiel. Qui est-ce que ça va être? Ça peut être le Antera. Ça peut être Tio. Tio, le petit blanc d'Alice. Allez, je vois qu'il y a beaucoup de Tio. Ce sera Tio. Avec deux O. Non, avec un O, vas-y, flemme. Ce sera très bien. Allez, je vais aller récupérer. Je vais aller récupérer Tio. Et ensuite, on sera bon. Ok, donc là, je vais le faire évoluer. Je vais le faire évoluer directement, même pas de soucis. Je sors de là. Donc, selon vous, en quoi va évoluer Monsieur Tio? Là, c'était abri. Bon, ok, pourquoi pas. Il change de kit quand il évolue. Non, il change juste de talent et d'un autre truc. Ouais, non, il change juste de talent, ouais. Ah, après, il peut évoluer en un bête de truc, hein. Faut savoir qu'évolution random, il peut évoluer en tout ce qu'il faut, hein. Moi, j'ai confiance en Tio. Il va évoluer en un truc de cinglé. Tio en Monaflémite Coloforce, imagine. Tio Monaflémite Coloforce, feu sacré. Non, ce serait trop. Allez, Monsieur Tio. Monsieur Tio, ne nous déçois pas, Monsieur Tio. Aujourd'hui, Tio va évoluer. Il va montrer son plein potentiel et il va évoluer en un Pokémon de fou furieux. C'est maintenant. C'est un Négapi, ça. C'est un Pokémon qui évolue même plus en plus. C'est de la merde. Posipi ou Négapi? Dans tous les cas, c'est de la merde. Vas-y, mais baisse ta merde. Ton problème, c'est que t'aimes trop Int. Pareil, t'aimes trop Int. T'es là, t'as du potentiel. Tu peux nous prouver que t'es là, t'es un monstre. Et au lieu de ça, t'évolues en quoi? Posipi. Il sert plus à rien. C'est poubelle maintenant. Azé. Poubelle. Azé, c'est bon. Go next, hein. Go next. On va aller, on va se balader, hein. Tu as Posipi et Négapi. GG. Oh, trop content. Vraiment pas content. À deux doigts t'insulter, là. Bon, bah, Tio, hein. Poubelle, hein. Tio, poubelle, c'est terminé. 125. 200 égale 1 cœur, 200 égale 2 cœurs, ok. Attends, mais là, il a un cœur au moins. Il a un cœur, il a un cœur, les mecs. On y est presque. Il a un cœur. C'est win, c'est win. Attends, il peut peut-être le faire. J'ai voulu mettre un combat. J'ai voulu le mettre sur un seul combat. Il prend un Dracorage instantanément. Je suis un ouf, je suis un ouf. Genre, je le laisse à peine un petit combat. Il se prend le Dracorage, frère. Non, c'est trop. C'est dangereux quand même, là, monsieur. Je me suis dit, c'est un tournegrin. Y a pas de souci. On est tranquille, tout ça. Oulala, fait chaud, là, quand même. Hein. Enfin, j'espère qu'il va pas évoluer en un Pokémon de merde. Je te jure que. Ah merde. Dans les dresseurs, c'est toujours un petit peu dangereux. Faut que je me méfie des dresseurs, là. Ok, Melocric. C'est qu'il a vraiment des bonnes attaques, l'autre con. Hein. Oh non, je peux pas l'échanger. Oh, c'est la merde, les potes. C'est la merde. Oh, c'est la merde. Tout ça pour ça? Tout ça pour ça? Tout ça pour ça? No way! Faut que je le soigne. Faut que je le full soigne. Et à un moment, il sera confus. Et ce sera bon. Faut que je le pied brûleur un peu là. Le problème, c'est que là. Il va tomber à 10 à chaque fois. Ok, il est confus. Faut que je me re-soigne. Oh putain de merde. Putain de merde. Putain de merde. Allez, Sharky, Sharky, tu peux le faire. Un pied brûleur et ça le fait. Pourquoi t'as pas pied brûleur? Oui, j'ai trollé. Je pensais que le bourdon allait me permettre de faire plus de gammes. En fait, non, vu qu'il est insecte plante aussi. Allez, inflige-toi des dégâts tout seul, s'il te plaît. Yes. Ok, ça c'est pas mal. Ça, ça met bien. Allez, un pied brûleur. Allez, allez, allez. Allez, il est brûlé en plus, yes. On voit le miroir, parfait, il a raté. Sharky, Sharky le boss. Yes. On a eu chaud, hein. Oh là, il y a eu transpiration là tout de même, hein. Eh hey, gros, je te change maintenant, frère. Je te change, tu ne restes plus en combat, Sharky, on ne sait jamais. Non, il mérite qu'on prenne le temps de le faire évoluer. Honnêtement, là j'étais à deux doigts de FF. Grâce à ce clutch, honnêtement, il mérite qu'on le fasse évoluer. Attends, je vais regarder un peu son bonheur déjà. Et je vais aller me soigner aussi. Je pense que là, il a deux petits cœurs, regardez. Deux petits cœurs maintenant. Deux petits cœurs! Les gars, il a bientôt les deux gros cœurs! On est bien! Déjà, je vais aller me soigner pour être safe. Voilà, ça va être parfait. Allez, ok, ok, Sharky. Maintenant, Sharky. Yes! Let's go, Sharky! Allez, ne me déçois pas, on a pris une demi-heure pour te faire évoluer, putain de merde! C'est de la merde, ça. Et au quoi, ça, non? Après, il révolue, hein? Non? Il révolue, hein? C'est sa vraie évolution? Non! C'est pas possible! C'est pas possible! C'est son évolution de base, c'est pas possible, gros! Et il évolue plus! C'est incroyable! C'est pas possible qu'il évolue en son évolution de base! Les probabilités pour qu'il évolue en ça, c'est pas possible, frère! Ah, je suis anéanti! Tout ça pour ça! Tout ça pour ça, je suis dégoûté! Ah ouais! Attends, Togepi, t'en es où, toi? Il a un seul cœur, Togepi. Allez, vas-y, flemme, flemme. Allez. Je peux capturer un bête de Pokémon. Il me faut un peu de karma pour compenser un peu tout ça. Il évolue level combien, Cornébrin? Je crois que ça évolue assez rapidement normalement, c'est ok. Pierre Nuit. J'ai pas de Pierre Nuit. C'est un Pokémon vol, je suis pas censé le tuer du tout avec. Mais en même temps, il a coup critique aussi. Putain, j'ai des coups critiques, frère. Faut plus le capturer, tant pis. Tant pis, tant pis. Bon, bah si, je le one shot en fait. J'ai one shot absolument. Il est vol ténèbres. Ah ouais, il casse. J'aurais pu tomber sur ça, quoi. Fais chier. Mais vas-y. Ça me dégoûte, sérieux, ça me dégoûte. La RNG, tu pisses dessus, ah, mais oui, de ouf, de ouf. Osmerang, par contre, ça me fait mal aussi. Oula, oula, pas de critique, s'il vous plaît, monsieur. Putain. J'ai pris 60 de dégâts sur Osmerang de Relicante, j'y crois pas.
Mais j'ai perdu Simia Braz, je suis dégoûté. Non, c'est trop. Rien ne se passe bien depuis Sharky, j'avoue. Sharky m'a ruiné ma run, sérieux. Je suis anéanti. Ah, j'ai pas le droit de reset, j'ai pas le droit. C'est abusé. Non, c'est trop. C'est trop, frère. Ma run qui se passait si bien, vas-y. C'est mieux, je parle pas. Bon, je vais me soigner, je vais la jouer safe et on sera bon. Bon, je vais avancer là. Je vais continuer l'histoire, je vais essayer d'avancer tranquillement. Mais là, j'avoue que... Vas-y, c'est bon. Par contre, j'aimerais bien qu'il évolue en Togekiss directement là. Ça mettrait vraiment au max. Non, je pense que... Merde, il évolue. Attends, j'ai pas le temps de regarder. Oh non, c'est un Solarak. C'est de la merde. Voilà, je vous le dis, c'est de la merde. Ce jeu pue la merde. Les évolutions sont pas du tout scriptées. C'est juste... C'est à chier, voilà. Donc Eoko c'était random, bah oui en fait il a évolué de manière random le Pokémon tout à l'heure. C'était random Eoko. Les gens disaient c'est pas random, c'était juste random. Oh je vais me prendre un grand shot de Javel là, j'avoue ça va mettre au max. Les deux espoirs des Pokémon qui évoluent avec le bonheur de la merde. Non c'est trop, sérieux c'est trop. T'es pas mort mais c'est comme si t'étais mort pour moi. Je vais essayer de faire évoluer DRG. DRG mon dernier espoir dans des Pokémon jouables. Il y a aussi Kaelan qui peut évoluer mais Kaelan je crois qu'il évolue tard. En gros c'est Archeomir. Ça évolue tard de fou non? Oh les Pokémon qui évoluent avec le bonheur c'est bon. Go next. Donc là je vais... Route 215 je peux capturer. Donc route 215 je peux. Je peux capturer ici. Attendez. Route 215 je peux capturer un Pokémon déjà. Attendez. Persian c'est pas ouf quand même. Mais chaque Persian je crois qu'il a des bonnes attaques sur son Persian. Enfin, je crois que Persian ça a des attaques correctes. Bon écoutez on va voir si tank le cruel, si tank pas le cruel. Ça veut dire que normalement il tank le cruel sans trop de soucis. Ok ça va, pas mal. C'est de la merde, non mais oui c'est de la merde mais vas-y. Gros faut que je capture des trucs à un moment. Ok donc c'est qui le... Un petit chat stylé tu vois. Un petit chat stylé, disciple de Giovanni quand même. Enfin Pokémon préféré de Giovanni. Miaou Aldé. J'avoue. Ça peut être Aldouille hein. Aldouille le petit chat. Non mais Aldé on lui trouvera un Pokémon un petit peu mieux. On lui trouvera un Pokémon un petit peu mieux. Ça peut être Yumi, ça peut être Tirou. Le nouveau chat de Twix. C'est vrai. Taur, pourquoi Taur? Ah, Taur, parce que OTP Rengar, Persian, j'aime bien, je préfère. Vas-y, vous savez quoi? J'aime bien. Taur, OTP Rengar, le chaton, c'est parti pour Taur. Allez-y. On trouvera un bon Pokémon pour Aldé, genre un Grolem ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est le temps de base. Et là, on va aller dans les ruines. Donc, dans les ruines, quel Pokémon vais-je pouvoir rencontrer? J'aimerais bien que ce soit un bon Pokémon, s'il vous plaît. Je vous en prie, un bon Pokémon, s'il vous plaît. Pas toi, c'est pas un dresseur. Ok, qu'est-ce que je peux capturer? Malos, ça évolue. C'est pas dingue, mais ça évolue. Par contre, quel flow, hein. Malos, j'ai toujours dit que Milo il ressemblait à Malos, ce sera un petit Milo. C'est bien. Ça level 24 en plus, c'est lourd. C'est très très lourd. Ok, bah voilà, il suffisait d'un petit point feu. Donc voilà, Malos pas mal. Évolution dans 4 levels. On le fait évoluer avant de terminer le stream aujourd'hui. Donc ce sera Milo. Là, j'avoue, l'objet que vous voyez à ma gauche, vous savez c'est quoi? Une Master Ball. Et vous savez le prochain Pokémon qu'on va rencontrer dans les zones, ça va être qui? Mewtwo. Je vous le dis, c'est cool. Moi, bon, je vais pas dire si je suis une salope si c'est pas une Master Ball parce que bah sinon je suis une salope, mais tranquille. What? Mais non! Mais. Non, c'est un truc de fou. Mais oh, mais what? Non, c'est du jamais vu. C'est vraiment légendaire là ce qui se passe là. C'est scripté. Bon, malheureusement, je peux pas capturer ça. Et prochaine zone où je peux capturer un Pokémon si c'est Mewtwo. Non, je vais faire de la voyance. Je vais jouer au loto. C'est trop. Grosse, je suis pas une salope. Je suis vraiment pas une salope hein, par contre. Hein. Non, par contre, si dans la prochaine zone je peux capturer un Pokémon si c'est Mewtwo, je me coupe une couille. C'est un truc de fou. C'est impossible. Les chances pour que ce soit Mewtwo et qu'en plus de ça, je l'école, que j'ai une Master Ball plus Mewtwo. Non, c'est pas possible. C'est impossible. Allez, Milo, ne me déçois pas, s'il te plaît. J'ai été énormément déçu aujourd'hui déjà. Mais là, j'ai besoin d'avoir un Pokémon qui me carry. Noix de coco, ça va. Honnêtement, ça aurait pu être pire. Mais le problème, c'est que c'est que des Pokémon plantes. Ça va, c'est bien, noix de coco. Y'a pire. Non, vraiment, noix de coco, y'a pire. Le problème de tout ça, c'est que lorsque l'on regarde les attaques de Milo, il a fuite, permet de fuir n'importe quel Pokémon sauvage, ok. C'est bien mon chien, ça. C'est qu'il a pas d'attaque. Et le problème, c'est que j'ai Ponce, j'ai Katar, j'ai Milo, j'ai que des Pokémon plantes. C'est pas ouf, quoi. Et j'ai quoi comme CT que je pourrais lui apprendre en plus? J'ai rien de vraiment bien. C'est ça le problème. Ouais, j'ai rien à lui apprendre. Pour l'instant, il est pas très utile. Ouais, donc là, je vais pouvoir arriver à la ville normalement et découvrir une nouvelle zone où je peux capturer un Pokémon. Il apprend plus rien. Ah bah poubelle, tout simplement. On est à Voilarok. Donc Voilarok, normalement, je peux faire des trucs. Je peux pêcher, je peux faire des trucs normalement. Donc on va aller juste en dessous. On va aller découvrir le Pokémon qui nous est réservé. Ou alors, on se garde ça pour demain. Imaginez, on se garde ça pour demain, sinon. Allez, on va voir ça maintenant. Quel est le Pokémon légendaire de la route 214? Déjà, il faut que je fume lui avant. Et est-ce qu'on pêche ou est-ce qu'on utilise la super canne parce qu'on n'a pas trop
trop capturer le Pokémon de la Super Canne ou est-ce qu'on va dans les herbes? C'est ça la question. Herbe, la majorité dit herbe tout de même, hein. Donc ce sera herbe, très bien. On va voir les deux, de toute façon vous savez quoi, hein. On va voir les deux. Et tous ceux qui ont dit pêche alors que le meilleur Pokémon était dans l'eau, eh bien vous serez bannis. Et tous ceux qui ont dit herbe alors que le meilleur Pokémon était... enfin bref, vous m'avez compris. Ceux qui ont dit eau alors que le meilleur Pokémon était dans l'herbe, eh bien vous serez bannis aussi. Herbe ici, eau ici. Ce sera les herbes. Quel va être le Pokémon dans les herbes? Ça évolue! Ça évolue! C'est ok! C'est ok! Ça évolue en un level! C'est ok! C'est ok! Enfin, un level ou peut-être un peu plus. C'est Tio! C'est Tio! C'est ok! Ça va être Tio Picker! Je vais l'appeler Tio Picker! Ok, ok, ok! Et on va voir dans l'eau ce qu'il y avait. Ça va être Tio Picker! Est-ce que dans l'eau, il y a un truc de fou? Je suis dégoûté. Bon, au moins, j'ai pas eu Mewtwo, c'était pas scripté, voilà, vous avez la preuve. Mais j'ai quand même une Master Ball. Dans l'eau, qu'est-ce qu'il y avait? Au moins, c'est RP! Un Wailord dans l'eau, ça me va, ça me va. C'est bon, après pêcher une baleine, faut quand même le faire quoi, mais bon. Mais bon, demain les amis, on se retrouve à midi. Première chose qu'on fait, on fait évoluer Tio Picker. Ok. Première chose qu'on fait, on le fait évoluer directement. Et ensuite, on continue l'épopée tranquillement. On ira dans la grotte capturer un Pokémon. On fera XP DRG pour essayer de le faire évoluer. Et on va voir ce que ça va donner. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à ce soir pour le talk show. Et à demain midi pour la suite de Sacha Corps. En espérant que ça vous ait plu comme d'habitude. Et voilà, ciao les potes.